Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Tel que vous constatez, nous commençons ce live avec un gros retard, voilà, dû à des raisons en dépit de ma volonté. Voilà, vous savez que nous faisons face, pour ceux qui sont dans Libreville, à certains secteurs qui ont des problèmes de connexion. Mais gloire à Dieu que je sois là et j'espère par la grâce de Dieu qu'avec toutes les personnes qui ne dorment pas, qui sont présentement debout sur leur téléphone, je pourrai commencer cette série d'enseignements sur une thématique assez importante, ce qui risque d'arriver à l'église. Je vous prie de là où vous êtes maintenant de bien vouloir appuyer sur les cœurs, de partout où vous me suivez, de partager ce live à des milliers de personnes. Plus vous le faites, vous permettez à ce que ce live puisse avoir de la visibilité. Merci de le faire de là où vous êtes et je crois qu'au nom de Jésus, partout où vous le faites, la grâce et la faveur de Dieu sont votre partage. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Moi aussi, je suis en train de partager le lien. Je suis en train de partager ce lien, je suis en train de partager ce lien. Maximum de partage, réveillez les autres, dites que nous avons déjà commencé. Réveillez les autres, dites que nous avons déjà commencé. Je vais juste épingler le live. Ne vous déconnectez pas. Voilà, restez juste en train de partager juste quelques secondes. Voilà, voilà, voilà. Mon prophète, je vous suis depuis la République démocratique. Je vous aime fort. Prophète Ra, sois béni au nom de Jésus. Je vois ici Martial Intimacy, sois béni. Je vois qui d'autre encore ici. Je vois Starboy. La Bugatti, je vois ici Déborah, Prési Déborah, sois béni. Je vois ici Sa Majesté, Léonel Odila, sois béni. Je vois ici Prophète Mardoché Warren, je vois Tabitha Kumba, je vois ici Ministre Curtis Emma, suivi de Starboy, suivi de, voilà, de Ralova. Voilà, Rachel, soyez bénis. Voilà, je fais un peu face à un petit problème au niveau de mes yeux. J'espère vous voir bien. Voilà, Clarisse Ndamanba, sois bénie, ma fille de là où tu es. Douglas MT, sois bénie. Voilà, il nous reste quelques minutes pour partager, quelques minutes. Voilà, nous allons aller très rapidement aujourd'hui, très rapidement. Excusez-moi pour le retard, vous avez été nombreux à m'écrire en inbox. À quelle heure nous commençons, à quelle heure nous commençons. Merci aussi à mon fils, l'évangéliste Watt, qui est en train de partager. Malheureusement, j'ai un WhatsApp qui s'est planté, donc du coup, je n'arrive pas à pouvoir envoyer des notifications à des personnes quand je suis en direct via la technique que je faisais sur WhatsApp en partageant le lien.
Je vais demander à l'évangéliste Wa de bien vouloir partager à tous ses contacts de manière individuelle afin de nous rejoindre par la grâce de Dieu. Seigneur Dieu Père Saint, prends place dans cette réunion, prends le plein contrôle durant ce live. Seigneur Père, tu m'as parlé sur des choses qui doivent arriver dans l'église, dans ton église, dans l'église que tu compares à ton épouse, celle que tu reviendras chercher. Seigneur Père, tu me l'as dit, si vous ne vous levez pas et si vous ne priez, si vous ne vous tenez pas debout, prêt comme des sentinelles, voici ce qui arrivera dans mon église universelle. Alors Seigneur, je te prie de bien vouloir mettre ta sagesse en moi, du moment où tu m'as donné ce message, afin de le retransmettre de partout dans le monde. Je prie pour toutes ces personnes qui sont en train de se connecter en grand nombre, peu importe le pays, de partout là où elles sont connectées, depuis la Chine, depuis l'Europe, la France, Portugal, Italie, Suisse, depuis les Amériques, les États-Unis, le Canada, depuis même, Seigneur, l'Australie, que tu bénisses par ta puissante main toutes ces personnes. Et je crois en une chose, la distance n'est pas une barrière, ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. Seigneur, je prie qu'au cours de ce live, que par ta main puissante, toute personne malade soit guérie, que par ta main puissante, toute personne faisant face à une situation de maladie, une situation professionnelle, une situation familiale, soit restaurée par ta précieuse et puissante main, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Père, du moment où nous sommes en train de partager ces lives, nous prions que toi seul puisses toucher les cœurs, toucher jusqu'aux extrémités de la terre, afin que ce message parvienne à mener le plus grand nombre à la repentance et à comprendre, Seigneur Père, le message que tu nous adresses dans cette heure. Nous savons du moins, Seigneur, que nous sommes à la fin des temps, mais encore plus à la fin des derniers temps, des dernières heures qui nous restent. Et dans ces derniers temps, Seigneur Père, nous chrétiens, nous sommes plus sensibles à t'écouter, nous sommes plus sensibles à écouter ta voix, plus sensibles, Seigneur Père, à comprendre ton fonctionnement, comprendre ta volonté. C'est pour cela que je prie, Seigneur, que celle-ci soit révélée par ce message. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au Saint-Esprit qui est là avec nous et qui nous promet des grandes choses. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux voir des partages? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Waouh, je vois ici Arnold Moussavou qui me suit. Sois béni, fils, et que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vous connaissez des pasteurs, vous connaissez des frères, des sœurs en Christ. Je vous prie maintenant de les taguer là où vous êtes. Je vois ici Ndé Sylvana qui est connectée. Je vois ici Julie Nang qui est connectée. Je vois ici Jeanne Gabi qui est connectée. Je vois Mimi Terno qui est connectée. Je vois ici Joséphine Ngodi connectée. Frédéric Nice qui est connecté. Je vois aussi Choupi Elsa qui est connectée. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Lucas. Je vois ici Ralova qui est connecté. Alors, pouvez-vous me dire rapidement en deux minutes d'où vous me suivez, d'où vous me recevez maintenant? J'aimerais vous saluer, c'est aussi pour moi l'occasion de vous connaître. Maximum de partage, je vous prie d'appuyer sur des cœurs pour que le live ne soit pas signalé. Puisse vous appuyer sur des cœurs, vous nous permettez d'interagir en grand nombre. Puisse vous appuyer sur des cœurs, vous nous permettez d'interagir en grand nombre. Marie-Noël Ada, sois bénie. Voilà, Marie Tsono, sois bénie, maman Marie Tsono, Christiane depuis la France. Gisèle Dima, sois bénie, très cher membre de l'œuvre sociale de l'Église Synagogue. Edwige Ada, sois bénie. Franck Bédé, sois bénie. Pasteur Saint-Jean, sois bénie. Et Singon Ndé Christian, sois bénie. Quentin Ondo, sois bénie. Oh, Gwenaël, sois béni depuis Port-Gentil et que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, je ne serai pas long parce que je sais que vous allez partager. Je profite parce que nous, au niveau de Libreville, nous avons un long week-end qui commence voilà, dès ce jeudi. Nous avons, je crois, la fête de l'Ascension, suivie de la fête nationale d'indépendance. Donc, c'est un week-end qui est prolongé et par la grâce de Dieu, nous profiterons de ce temps libre afin d'annoncer ici l'évangile sur cette plateforme.
Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes conscient de ce qui m'arrivait il y a de cela 2 ans. Mais je dois vous dire que durant ces temps, l'Esprit de Dieu m'avait préparé sur des choses qui adviendraient dans le temps. Et j'ai béni le Seigneur parce que de ces choses que l'Esprit de Dieu pouvait me présenter du sein de mon incarcération, je peux voir aujourd'hui les fruits. Vous savez, 5 mois passés, 5 mois dans une détention, passés 5 mois privés de sa liberté, 5 mois loin des proches, 5 mois loin de son église, est un temps de remise en question. Pas seulement des remises en question, mais aussi un temps qui te pousse à aller profondément vers le Seigneur, de chercher véritablement le Seigneur, de comprendre son plan. Le plus souvent, vous, dans l'épreuve, vous chercherez à comprendre ce qui vous arrive. Et lorsque vous avez des réponses sur ce pourquoi vous êtes là, ce pourquoi Dieu vous a fait passer par cette épreuve, voilà, Dieu permet maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir vous parler d'autre chose, de vous orienter. Ce fut le cas pour moi. L'Esprit de Dieu m'a orienté sur des choses qui sont sur le point d'arriver sur l'Église du Gabon, d'Afrique en général. Le corps de Christ, d'ailleurs, vous savez qu'il n'y a pas plusieurs corps de Christ, il n'y a qu'un seul corps de Christ. Donc, ce que Dieu monte sur l'Église du Gabon concerne l'Église du Congo, l'Église de la Côte d'Ivoire, l'Église du Mozambique, l'Église de la France, l'Église de la France, l'Église des États-Unis et autres. Et bien aimé dans le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi que dans ces derniers temps, les temps dans lesquels nous sommes, il n'y aura pas qu'un réveil dans l'Église du Seigneur. Il n'y aura pas que la manifestation des dons spirituels. Mais Dieu parle en Matthieu chapitre 24 d'une grande persécution qui s'élèvera sur l'Église. Voilà, le frère haïra son frère. On dit même l'impie sera retrouvé en milieu saint. L'iniquité sera retrouvée en milieu saint. Et lorsque je parle de l'iniquité, c'est dans toutes ses formes. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il ne se passe aucun jour sans que nous ne voyons l'accomplissement des signes apocalyptiques décrits il y a de cela 2000 ans en arrière. Et bien aimé dans le Seigneur, comme point d'appui, j'aimerais que nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Jacques, Galates, le chapitre 2, à partir du verset 11. Galates, le chapitre 2, à partir du verset 11. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous devons toujours trouver comme point d'appui la parole de Dieu. Galates, le chapitre 2, à partir du verset 11. Ce qui risque d'arriver dans l'Église. J'aimerais que tu écrives ça en commentaire. Ce qui risque d'arriver dans l'Église. Merci pour vos partages. Merci de là où vous êtes en train d'identifier des amis, des bien-aimés. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Voilà, je suis dans le livre des Galates. Galates, le chapitre 2, à partir du verset 11. Voilà, Galates, ce sont des épîtres de Paul. Paul a eu plusieurs épîtres et il a écrit ses épîtres dans les années 49-50, lors de ses incarcérations, lorsqu'il était, bien aimé dans le Seigneur, enfermé, il était éprouvé. Il profitait de cette occasion de pouvoir écrire afin de fortifier ceux-là qui restaient tristes derrière. Et là, il adresse une lettre à l'église des Galates. En Galates chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible déclare « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, voilà, vous devez comprendre que la Bible a été traduite en plusieurs versions. Et là, Céphas, ici, était un nom araméen attribué à celui qu'on appelle Pierre. Donc, le disciple que Jésus a donné les clés de l'église, il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église de telle sorte que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je vous prie d'appuyer sur des cœurs, des peurs que le live ne soit signalé. Merci d'appuyer sur des cœurs. Merci d'appuyer sur des cœurs, appuyer sur des cœurs, appuyer sur des cœurs. Waouh, waouh, que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Elle déclare, mais lorsque Céphas, appelé en hébreu Pierre, lorsque Céphas ou Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens,
et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est-à-dire, dans d'autres termes, pourquoi imposes-tu l'idéologie du judaïsme aux païens, à ceux qui n'ont pas, à ceux qui ne connaissent pas Christ et autres? Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Et bien aimé dans le Seigneur, c'est au cours de la première mission apostolique de Paul à Chypre et dans l'Asie mineure. Et là, Paul va se retrouver en Antioche. Et vous savez que les disciples bien-aimés de le Seigneur se réunissaient dans les églises. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient le pain. Cela est décrit notamment dans le livre des Actes chapitre 4, Actes chapitre 5, que tout ce qu'ils avaient, ils se partageaient en commun. Et les disciples vont être confrontés à un problème. C'est que, bien-aimés, vous savez que la loi interdisait certaines choses. Mais par la grâce que Dieu va faire au monde, il va envoyer Jésus-Christ de Nazareth qui va venir mourir à la croix et ressusciter le troisième jour afin de nous apporter la grâce. De telle sorte que le salut ne devait plus être limité à une catégorie de personnes. Il ne devait plus avoir un Dieu uniquement des Juifs, mais tout homme de partout sur la terre croyant en la grâce que Dieu avait envoyée en Jésus-Christ de Nazareth devait être sauvé. D'ailleurs, Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité, excusez-moi, et la vie. Nul ne peut passer au Père sans passer par le Fils. Et là, dans l'église d'Antioche, il y avait un conflit. Vu que l'évangile était répandu avec puissance, il y avait des miracles dans l'église. Les âmes étaient converties. Les païens aussi, ceux qu'on appelle dans la Bible les non-juifs, étaient aussi intéressés et touchés par l'évangile qu'annonçaient les disciples. Et beaucoup de ces derniers vont se repentir, vont abandonner leurs dieux étrangers, vont abandonner leurs traditions, leurs reliques, leurs coutumes, pour s'attacher à la tradition juive qu'on appelle le judaïsme. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est une coutume, une tradition, bien-aimé dans le Seigneur, qui provient de Moïse. Donc des lois que Moïse avait instituées dans le livre de Exode, le chapitre 20. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Hormis-moi, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui punit l'iniquité des pères, de la première à la troisième jusqu'à la quatrième génération. Je suis un Dieu jaloux. Tu ne tueras point, tu ne verras, tu ne feras, tu ne feras, tu ne feras. Donc, cette constitution-là, bien-aimé, avait formé une culture. Une culture au cours duquel ils avaient développé le judaïsme. C'est-à-dire, c'était une culture là où ils avaient leurs principes, leur manière de faire, leur manière d'agir, conformément à la loi qui leur était instituée par Moïse. Et dans l'église d'Antioche, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de païens se convertissaient. Et là, l'église va être confrontée à un problème. C'est qu'ils se partageaient tout en commun. Mais la loi interdisait à quiconque étranger de pouvoir communier avec le juif, à cette personne-là qui n'était pas d'origine juive, de pouvoir s'asseoir et de manger avec ceux-là qui sont des juifs. Mais lorsque Paul va arriver, Paul va porter une révélation de Jésus-Christ de Nazareth en leur faisant comprendre en fait que le Jésus qui est venu là, le Jésus qui a marché avec vous, toi Pierre qui s'appelle Cephas là, ce Jésus-là, il est venu mourir, pas pour abolir la loi, mais pour accomplir et la rendre parfaite à tout le monde. Mais il n'est pas seulement venu mourir pour une catégorie de personnes, il est venu mourir pour tout le monde. Et parce qu'il est mort pour tout le monde, tous ont droit à la table du Seigneur. Donc nous pouvons aujourd'hui même, bien-aimés, manger avec des païens. Nous pouvons partager la même table avec les païens. Et bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que Pierre, il croyait à ça. Pierre le comprenait très bien. Parce que Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 25, lorsqu'il donne la responsabilité aux apôtres, la responsabilité aux disciples, il va dire ceci, « Allez de partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas dit « Allez chez les Juifs ». Il a dit « Allez de partout dans le monde » et faites des nations des disciples. Et bien aimé de le Seigneur. Donc, Paul était conscient, les disciples de Jésus étaient conscients qu'après le départ de Jésus, le salut ne devait pas juste être réservé qu'à une catégorie de personnes, mais le salut devait être répandu aussi à des milliers de personnes.
à des non-juifs. Et l'attitude de Pierre ici, Pierre agissait comme ça par hypocrisie. Parce que c'était une idéologie que ses frères n'avaient pas encore accepté de partager la table avec des païens. C'est-à-dire que lorsque Pierre était seul, lorsque Pierre n'était pas avec ses frères, c'est-à-dire les disciples que Jésus avait laissés, Pierre mangeait avec des païens, il partageait la même table avec des païens. Mais lorsqu'il voyait l'un d'eux, Pierre s'est retiré pour montrer qu'il était, il partageait aussi leur idéologie. Et je crois, lorsque vous lisez à partir du verset 13 du chapitre 2 déjà, « Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à ses faces en présence de tous, si toi qui es juif, voilà, on reprend à partir du verset 12, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, donc Jacques qui était un disciple de Jésus, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. » C'est-à-dire que Paul mangeait avec des païens. Mais quand il voyait qu'il y avait des chrétiens, il y avait là des chrétiens, il y avait là des groupes de disciples de Jésus, qu'est-ce que Paul faisait? Paul s'en éloignait. Et là, plutôt Pierre s'en éloignait. Et là, Paul, bien-aimé, va pointer le doigt à Pierre pour lui dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ce n'est pas conforme à l'évangile, parce que l'évangile aujourd'hui nous dit que nous devons répandre le salut à tout le monde. Et je crois que selon le calendrier juif, dans les années 44, de 44 à 49, il va avoir le premier concile de l'Église. Le premier concile de l'Église, c'est-à-dire c'était une réunion dans laquelle tous les disciples devaient se réunir afin de discuter sur des questions liées, bien aimé dans le Seigneur, au fait que les païens ne devaient pas manger. Il y a des personnes qui disaient que les païens ne devaient pas manger avec les chrétiens et que les chrétiens ne devaient pas manger avec certains païens. Donc, ils vont établir le premier concile. Le concile, ce sont des réunions auxquelles nous disputons sur des points et après, nous les établissons comme des vérités fondamentales, comme des dogmes. Donc, aux années 44-49, ils vont organiser le premier concile. Et bien aimé, autour de ce concile, ils vont se décider, ils vont comprendre la place aussi des païens au sein d'eux. Et ils vont chasser cette hypocrisie de se dire que les païens n'avaient pas le droit de pouvoir partager la même table avec eux. Pourquoi je prends ce point d'appui? Vous devez comprendre, bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Les mêmes conflits, vous remarquerez qu'il y a eu il y a de cela 2000 ans, en l'an 44, en l'an 48, en l'an 49, ce sont des mêmes conflits qui existent de notre ère. Vous allez comprendre que beaucoup de bagarres qui tournent au sein des hommes de Dieu, beaucoup de bagarres qui tournent au sein de l'Église même, voilà, j'aimerais commencer par là. Des problèmes que nous enregistrons au sein de l'Église sont des problèmes, bien aimés de le Seigneur, qui arrivent par les hommes de Dieu, par les hommes de Dieu que nous sommes. Et tout dernièrement, je crois, lorsque j'ai traversé un peu beaucoup de temps, de bousculades et autres, le Seigneur m'avait averti sur un vent qui devait arriver dans l'église du Seigneur. Sur un vent violent qui devait arriver dans l'église du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce vent aura pour but d'apporter un nettoyage. Ce vent aura pour but d'apporter un nettoyage, un très grand nettoyage. Parce que le Seigneur, comme vous êtes d'accord avec moi, le Seigneur a jugé que dans ces temps, il y a beaucoup de désordres dans son Église. A jugé que dans ce temps, à l'instar de Matthieu, la Bible déclare que Jésus est rentré dans le temple et son temple était devenu un endroit de commerce. Et quand je parle de commerce ici, ça n'a rien à voir d'abord avec l'argent, la vente des actes prophétiques et autres. Donc c'est au sens péjoratif, c'est-à-dire un désordre est rentré dans l'Église. Et Dieu, l'Esprit de Dieu pouvait me dire que dans ce temps-là, il devait avoir un vent, c'est-à-dire un vent qui devait être relâché afin, bien aimé dans le Seigneur, de promouvoir l'ordre dans l'Église, la lumière de Dieu qui devrait revenir. Mais Dieu m'a dit quelque chose, que cette chose devait se faire lorsque les chrétiens, cette chose devait réussir dans le plan de Dieu, lorsque les chrétiens devaient s'unir, s'attraper main dans la main. Vous voyez, la différence entre nous et les apôtres, c'est que quand les apôtres avaient des problèmes,
dogmatiques, des problèmes sur le plan évangélique, sur le plan des Écritures, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'évitait jamais de s'asseoir. C'est-à-dire, il pouvait se battre, il pouvait disputer comment? Vous voyez, la Bible déclare ici que Paul a repris Pierre. C'est-à-dire que si on essaye, bien aimé dans le Seigneur, de décrire l'église primitive, à celle de l'église dans laquelle nous sommes, je crois qu'il devait y avoir beaucoup de personnes qui devaient s'élever. Oh, toi, Paul, tu es le petit frère spirituel de Pierre. Toi-même, tu es un enfant dans la foi de Pierre. Pourquoi tu t'élèves? Vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que dans la vérité de l'évangile, il n'y a pas de grand spirituel, il n'y a pas de petit spirituel. La vérité reste vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La vérité reste vérité. Et lorsqu'il fallait faire face à la vérité, bien aimé dans le Seigneur, on laissait d'abord toutes ces choses-là à côté, ces habillements-là à côté, et on faisait face à la vérité. Et l'Esprit de Dieu m'avait préparé sur ces choses d'avance. L'Esprit de Dieu m'avait montré clairement, oh merci Seigneur, l'Esprit de Dieu m'avait montré clairement qu'il devait avoir un vent. Et ce vent-là devait venir avec un objectif clé, de pouvoir rassembler les enfants de Dieu, de pouvoir faire asseoir les enfants de Dieu et de parler, que ces enfants-là parlent, à l'instar de l'église primitive, d'établir des conciles, de pouvoir, bien aimé, selon la vérité des Écritures, disputer sur certaines questions qui créent des conflits aujourd'hui inter-église. Et vous comprenez que le grand problème de l'église aujourd'hui, ça a failli même être le grand problème, l'un des problèmes majeurs de l'église primitive, c'est la division. Le manque de compréhension des dogmes, le manque de compréhension des Écritures. C'est pourquoi dans la Bible, il y avait une catégorie de chrétiens appelés les chrétiens de Bérée, c'est des personnes qui sondaient des Écritures. Les divisions des églises, là, sont dues à quoi? Les divisions des églises sont dues à de telle sorte que chez moi, on fait comme ça. Vous ne devez pas faire comme ça. Chez moi, on ne porte pas les chaussures. Chez moi, on porte les chaussures. Et souvent, on diabolise ce que les autres font sans comprendre pourquoi ils le font. Vous devez comprendre, bien aimé le Seigneur, que personne n'a le monopole de la connaissance. Écoute-moi bien. Aucun pasteur n'a le monopole de la connaissance. Et bien aimé dans le Seigneur, je peux vous rassurer qu'il y a des signes en rapport, en corrélation avec ce vent que l'Esprit de Dieu m'avait montré, qui devait avoir pour objectif d'apporter un nettoyage, mais aussi une réconciliation, où les hommes de Dieu devaient concilier ensemble afin de s'asseoir sur certaines vérités dogmatiques, afin de ne pas disperser le peuple. Bien aimé, ces derniers temps, je réalise combien de fois est grande la responsabilité que nous avons sur vous, nous leaders. Ces derniers temps, je réalise, bien aimé dans le Seigneur, dans ma chambre, quand j'ai des temps seul avec Dieu, combien de fois nous leaders, nous avons une grande responsabilité sur vous. Un leader peut conduire tout un peuple dans l'erreur à cause d'une mauvaise compréhension dogmatique qui n'a pas parfois demander la pensée du Saint-Esprit à cause d'une chose mal expliquée. Il suffit que tu as mal expliqué, c'est fini. Au sein de tes fidèles, tous tes fidèles croient en cette chose et ça peut désorienter tout un peuple. Oh, je ne sais pas si tu es en train de partager. J'ai pris dans la vie des plus de 100, 200, 300 personnes, 400 personnes qui sont en train de partager ce live, au moins 10 personnes. Waouh, que la lumière des Écritures soit ton partage. Va au bas de ton écran et fais-le. Va au bas de ton écran, fais-le. Va au bas de ton écran, fais-le. Tu peux le faire, 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 tu peux le faire. Et c'était une église de vérité. Et vous voyez, pour ceux qui font la théologie, comme je disais dans les années de 44 à 49, ils vont établir un concile pour discuter sur toutes ces questions. Parce qu'entre les apôtres, il y avait beaucoup de conflits déjà entre eux. Entre Paul et Pierre, il y avait beaucoup de conflits. Paul dit non, on doit manger avec des païens. Pierre estime, par hypocrisie, qu'il n'a pas le droit de s'asseoir au milieu des païens et de manger. Pourquoi? Parce que la loi l'interdit. Paul vient, il dit non, nous ne sommes pas sauvés par la loi. C'est-à-dire la loi c'est quoi? La loi ce sont des efforts. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts personnels. Nous nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est à cause de la grâce que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés par la grâce, nous tous nous devons bénéficier de la grâce. La grâce c'est pour tout le monde. La grâce, c'est qui? La grâce, c'est Jésus qui est venu mourir. Jésus n'est pas seulement venu mourir
pour nous. Jésus est venu mourir pour tout le monde. Non, ça crée des conflits, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et là, qu'est-ce que les frères décident de faire? Les frères décident de s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que lorsque les hommes de Dieu que nous sommes, nous refusons de concilier, le Saint-Esprit nous imposera sa conciliation. Ou que le Saint-Esprit nous imposera un concile. Et parfois par des conséquences néfastes. Il est très important de s'asseoir. Il est très important de concilier sur certaines questions avant que nous ne soyons obligés de le faire à cause des malheurs, à cause des pleurs, autour, bien-aimés, de le Seigneur, des incidents. Parce que Dieu connaît comment parfois rassembler ses enfants. Et vous allez remarquer parfois Dieu pour rassembler ses enfants, parfois Dieu pour réunir un corps, parfois Dieu pour réunir certaines personnes, soit autour d'un malheur, autour d'un accident, autour d'un décès. Je crois qu'il y a des personnes qui sont sages ici. Ça dit que s'il n'y avait pas eu cette circonstance, telle chose ne serait jamais arrivée. S'il n'y avait pas eu telle chose, ne serait jamais. Et vous allez même remarquer que l'une des choses qui amène l'Église à établir son premier concile dans les années 40, dans les années 45, selon le calendrier juif, en l'an 45 après Jésus, c'est à cause de la persécution dont ils étaient victimes. Tellement ils étaient persécutés. Tout le monde les persécutait. Les non-païens, les Romains les persécutaient parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Tellement ils étaient persécutés qu'ils vont se dire, bon, ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de se clasher, ça ne sert à rien de prêcher contre les autres. D'ailleurs, vous retrouverez même l'histoire de Paul et d'Apollos. C'est-à-dire qu'il y avait une catégorie de chrétiens qui soutenaient l'évangile d'Apollos. D'autres catégories de chrétiens qui soutenaient l'évangile de Paul au niveau du baptême. Paul vient avec le baptême de Jésus-Christ, Apollos vient avec le baptême de Jean-Baptiste. Donc ça crée confusion. Donc, il y a une catégorie de chrétiens qui sont entraînés vers Apollos, une autre catégorie entraînée vers Jean-Baptiste. Et c'est là où Paul va rétorquer, il va dire, Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a fait croître. Il n'y a pas de Paul, il n'y a pas d'Apollos. Le travail que nous faisons, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce travail-là, il n'y a pas un grand. Il n'y a pas le plus grand pasteur, il n'y a pas le plus grand prophète, il n'y a pas le plus grand ceci, il n'y a pas le plus grand cela. Seul Jésus-Christ de Nazareth qui est grand pour qui nous travaillons. Waouh. Quelqu'un est en train de dire, prophète, édifie-moi ce soir. Prophète, édifie-moi ce soir. Prophète, édifie-moi ce soir. Prophète, édifie-moi ce soir. Et tellement ils étaient divisés, bien-aimés de le Seigneur, que leurs persécuteurs, c'était avantageux pour leurs persécuteurs de pouvoir les persécuter, de pouvoir les détruire. Paul dit même que par hypocrisie, même par hypocrisie, avec lui les autres juifs, usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. C'est-à-dire que même cette division-là créait déjà des hypocrisies au milieu des disciples. Et c'était profitable pour l'ennemi. Et c'est l'un des problèmes majeurs de l'Église. Pendant que nous nous divisons, l'ennemi est en train de nous frapper. Pendant que nous, pasteurs, nous passons le temps, moi je suis Paul, moi je suis Apollos, moi chez moi c'est comme ça, moi chez moi c'est ceci. Oui, le prophète Emmanuel, lui là, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de tenir un micro devant les gens. Prophète Emmanuel, non, lui là c'est un impur, prophète Emmanuel c'est un sorcier, c'est un magicien, Dieu l'a exposé, Dieu l'a frappé, patati patata. Pendant que nous passons le temps à nous combattre, le diable est en train de nous frapper. Le diable nous frappe par nos propres armes. Le diable nous frappe par les propres paroles qui sortent de nos bouches. Et ce fut le cas avec les disciples. Et en 49, des 45, 49, ils vont établir un concile. Et autour de ces conciles, ils vont dire non, il faut que nous revenions sur des vérités dogmatiques. Nous avons les mêmes persécutions. Ils vont établir un fait. C'est-à-dire, nous avons les mêmes persécutions, nous avons les mêmes persécuteurs. Mais pourquoi allons-nous nous diviser pour une chose que nous partageons en commun, qui est l'évangile de Christ? Oui, oui, pourquoi allons-nous nous diviser? Et les frères vont décider de s'asseoir à Jérusalem. En l'an 45 après Jésus, ils vont établir le premier concile. Et en établissant le premier concile, bien aimé, cela va leur valoir beaucoup de persécutions. En l'an 50 après Jésus, ils vont être persécutés par l'empereur de Rome. L'an 60, l'an 70, il va avoir la destruction du temple, le second temple de Jérusalem, donc le temple qui était construit par Salomon, réfectionné par Néhémie. Il va avoir la destruction de ce temple, tellement la persécution était atroce. Pourquoi? Parce que les disciples étaient unis, ils avaient pu faire asseoir des conciles, ils partageaient des mêmes dogmes, et on voulait tout faire pour les détruire et les détruire.
70, le temple va être détruit. 80, persécutions toujours contre l'église. En 90, les chrétiens vont se révolter. Ils vont dire non, on ne peut pas accepter de mourir en martyr. On ne peut pas accepter de se détruire. Déjà en l'an 60, on a vu la mort de Jacques. Jacques, que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. David déclare, le roi Hérode avait pour coutume de livrer un prisonnier à chaque fête des Pâques. Et il avait coupé la tête de Jacques. Voyons que cela était bon, il va livrer aussi Pierre. Mais l'église s'est mise en prière et Pierre fut libéré par la puissance de Dieu. Vous voyez que la première fois là où on a livré Jacques, l'église était dans la distraction totale. L'église était dans les débats inutiles et autres tout. Est-ce qu'on doit encore prier avec le sel? Est-ce qu'on doit prier avec un mouchoir? Est-ce qu'on doit faire ceci? Est-ce qu'on doit faire cela? Pendant qu'ils étaient dans ces débats-là, l'ennemi les frappait. Et il y a un disciple qui va mourir appelé Jacques. Mais lorsqu'ils vont s'asseoir sur les mêmes dogmes, ils vont savoir qu'ils ont le même fardeau. Ils ont le même combat. Lorsque Hérode va arrêter Pierre, la Bible déclare l'église va se mettre en prière. Et Pierre va sortir de là où il était. Je déclare et je prophétise dans la vie de plus de 300 personnes qui sont allées au bas de leur écran à cette heure et qui ont partagé à plus de 20, 30, 40, 50 personnes. Pendant que tu es en train d'appuyer sur des cœurs, je prophétise que tu ne mourras pas dans la persécution de la prison dans laquelle tu te trouves par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissante main de Dieu te fera sortir. La puissante main de Dieu te retire de toutes les choses dans lesquelles tu te trouves, de toutes les persécutions dans lesquelles tu te trouves. Je me joins au ciel. Aïe, 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 aïe. Je me joins à ta foi ce soir. Je me joins à ton nom ce soir pendant que tu es en train de le faire. Pendant que tu es en train de partager, je me joins à toi ce soir. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Et je crois que nous sommes dans une saison où l'église est à l'image de Pierre. Nous n'accepterons pas de laisser nos pierres mourir comme les Jacques sont morts. Nous n'accepterons pas de laisser cette génération mourir comme les autres générations sont mortes. Nous n'accepterons pas de laisser, bien-aimés de le Seigneur, l'église de ce temps, l'église de ce siècle mourir comme les autres églises sont mortes. Je déclare et je prophétise dans ta vie. Oh, 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 maximum de partage. Pendant que tu es en train de le faire, la main du Seigneur est en partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En 90, ils vont se révolter, ils vont dire non, on n'accepte plus ça. C'est-à-dire, ils vont prêcher l'évangile avec audace. Ils vont prêcher l'évangile avec puissance. Ils vont se dire non, puisqu'on nous persécute pour une chose, on ne fait que mourir, alors on va tous mourir pour ça. La Bible déclare qu'il y avait des conversions de partout. Oh, est-ce que nous pouvons appuyer, tapoter sur des cœurs? Est-ce que je ne sais pas si c'est la connexion ou c'est quoi? Est-ce que nous pouvons tapoter sur des cœurs, tapoter? Voilà, vous savez que les lives aussi restent signalés. Voilà, maximum de tapotage, de tapotage, de tapotage. Maximum de tapotage, maximum de tapotage. Voilà, merci de le faire. Je demande un maximum de partage, voilà, à toutes mes équipes de communication de bien vouloir partager de manière individuelle dans tous nos groupes. Voilà, en 90 après Jésus, ils vont se révolter en lançant la persécution et là. En l'an 200, en l'an 300, ils vont établir encore un autre concile. Et là, c'était un concile là où ils vont se revendiquer leur identité. C'est par ce concile là où il va voir la création de la Bible et autres tout par Constantin Ier que vous connaissez. Bien aimé, lorsque vous regardez l'histoire de l'Église, vous remarquerez qu'il y a eu toujours des conflits. Mais à la seule différence que eux, ils savaient comment gérer leurs conflits. Ils savaient comment s'asseoir. Ils savaient comment parler. Il savait comment, bien-aimé dans le Seigneur, ne pas entraîner un grand nombre dans les conflits. Et c'est comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, de ce qui se passe aujourd'hui dans l'église du Seigneur, nous, hommes de Dieu, nouveaux leaders, nous sommes en partie responsables. De ce qui se passe dans l'église du Seigneur, nous, vos hommes de Dieu, nous sommes en partie responsables. C'est parce que nous ne sommes pas unis que vous n'êtes pas unis. Et vous savez, l'une des plus grandes forces de l'ennemi en ce temps, c'est le manque d'unité de l'église. Et lorsqu'on parle de l'église, ça n'a rien à voir avec une dénomination ecclésiastique. Lorsqu'on parle de l'église, ça n'a rien à voir avec Alliance Chrétienne, Synagogue du Gabon, X, Y, Z. Lorsqu'on parle de l'église, c'est cette organisation-là mondiale assise sur les mêmes dogmes. L'évangile du Seigneur que nous défendons tous.
C'est parce que nous, leaders, nous qui vous dirigeons, avons accepté de se battre, avons accepté de nous manquer de respect sur des pupitres, que vous êtes rentrés dans une perpétuelle division. Et ce qui s'est passé au temps de la Bible, ce sont des choses que nous faisons aujourd'hui ici. Vous allez remarquer des pasteurs qui passent le temps à s'insulter. Les pasteurs qui passent le temps, tu as un micro, on te donne, prends le micro, prêche, annonce Jésus. Toi, c'est que tu prends un message, tu fais un message visé. Frère, tu fais ça contre qui? Tu vas gagner quoi dedans? On va te payer combien? C'est-à-dire, vous allez remarquer des pasteurs qui passent tout leur temps en longueur de journée, au lieu d'annoncer Jésus, le retour de Jésus. Les personnes sont venues fatiguées et chargées. La seule prédication qu'ils auront, c'est de dire non, la sœur Rose Mercedes qui me suit ici, ou encore le pasteur tel qui me suit ici, il est méchant, il est ceci, il est cela, il est bien aimé. Vous devez savoir que nous travaillons pour le même maître. Le jugement appartient à Dieu. Vous prétendez que quelqu'un est dans le faux, qu'est-ce que vous devez faire? Laissez cette personne avec Dieu. Dieu lui-même saura comment régler cela. Mais je me demande en fait le manque de sagesse de l'église, de nos temps dans lesquels nous sommes. Ce manque de sagesse, je ne comprends pas d'où sort ce manque de sagesse. Et bien aimé dans le Seigneur, après ce que vous oubliez, c'est que quand vous vous laissez entraîner par des conflits inter-hommes de Dieu, là, lorsqu'ils finissent par se réconcilier, vous allez rester dans la honte. Vous allez rester là, bien aimé, et parfois même vos âmes peuvent se perdre parce que vous êtes rentrés dans des conflits inutiles. Tout ça pour dire quoi? Que vous, peuple de Dieu, vous devez être assis sur les Écritures. Vous ne devez pas faire asseoir votre foi sur la foi de vos hommes de Dieu. Non. Vous devez faire asseoir votre foi sur la Bible. Vous savez, l'un des signes majeurs de notre temps, de la période dans laquelle nous sommes, qui montre que l'Église est appelée à s'asseoir, l'Église vraiment est appelée à restaurer son unité, vous allez remarquer après la mort, le décès de la femme du pasteur Marcelo Tounazi au Congo, il y a eu la réconciliation du prophète Tatou et du pasteur Marcelo. Deux grandes figures de l'évangile. Deux grandes figures que vous appréciez beaucoup, que vous écoutez tous les jours leurs messages et autres. Moi, il m'arrive quand j'ai même à télé d'écouter, de suivre leurs enseignements qui bénissent le monde entier. Mais eux-mêmes, ils vous l'ont dit, qu'ils étaient bien-aimés dans le Seigneur divisés durant plusieurs années. Mais ils n'ont pas seulement été divisés. Ce n'était pas seulement eux. Mais autour d'eux aussi, il y avait des personnes qu'ils géraient. Il y avait leurs églises. C'est leurs églises qui étaient en division. C'est leur brebis qui était divisé. C'est-à-dire que si moi j'étais chrétien ou encore fidèle du prophète Tatou, voilà, parce que, exemple, mon père, pasteur Marcelo, ne le fréquentait pas, moi aussi ne devais pas le fréquenter. Ou si moi j'étais fidèle du pasteur Marcelo, parce que le pasteur Marcelo ne le fréquente pas, moi aussi je ne devais pas le fréquenter, prophète Tatou. Et vous voyez, aujourd'hui les deux sont réconciliés, les deux frères se sont réconciliés. Les deux frères se sont réconciliés. Où êtes-vous? Vous qui avez suivi la cadence. Vous à cause, bien aimé, de fait de ne pas faire asseoir votre foi dans les Écritures. Le fait de ne vous être pas assis dans les Écritures. Vous êtes rentré dans les conflits. Ok, quand l'autre attaquait, puisque c'est ce qui est dit, eux-mêmes ils le disent, souvent c'est lancer des missiles. Mais on a compris, excusez-moi. On a compris que ce n'était pas une bonne chose. Voilà, souvent on disputait. Souvent on faisait des mauvaises choses. Mais on a compris que ce n'était pas une bonne chose. Gloire à Dieu, parce qu'ils ont compris. Mais vous, qui pour réparer ces dégâts collatéraux? Qui pour réparer ces personnes-là qui ont rétrogradé? Parce que certainement, ils auraient fait du tort à l'un de ces hommes de Dieu. Qui pour réparer, bien-aimé dans le Seigneur, pour ces personnes-là qui sont mortes en ayant de la haine sur l'un de ces deux hommes de Dieu parce qu'ils ne s'entendaient pas? Qui pour réparer ces dégâts collatéraux? Et c'est l'erreur de l'Église aujourd'hui. Vous voyez les hommes de Dieu se battre. Au lieu de faire asseoir votre foi dans les Écritures, vous, maboulement, vous partez défendre votre pasteur. Vous partez défendre votre prophète. Savez-vous que même moi, votre prophète qui vous parle, je ne suis pas peut-être le prophète de tous. Vous avez le privilège de me suivre. Mais moi qui vous parle, savez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, que je peux vous mettre en erreur si je laisse mes émotions dominer sur la parole de Dieu? Je vais me mettre à détester un frère
Et vous aussi, sans réfléchir, vous allez vous mettre déjà à détester ce frère parce que ce n'est pas quelqu'un de bien, ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Vraiment, l'Église doit sortir de cette hypocrisie. L'Église doit sortir de cette hypocrisie. Et je pointe premièrement l'Église de mon pays, l'Église du Gabon. C'est l'un des conflits que l'on retrouve. Oui, aujourd'hui, prophète Atou et pasteur Masselo se sont réconciliés. Mais il y a beaucoup, prophète Atou et prophète Masselo ne sont que des arbres qui cachent toute une forêt. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça, là, beaucoup des hommes de Dieu, même dans le pays, là, qui ne s'entendent pas. Beaucoup de gens qui ne s'entendent pas. Moi, je crois que si on est prophète de Dieu, moi, je crois que si on entend Dieu, si on lit la Bible, on lit les Écritures, on doit comprendre que le temps dans lequel nous sommes là, c'est un temps de réconciliation du corps de Christ. Et on doit sortir de notre hypocrisie. Quel était le combat de nos deux bien-aimés? Est-ce que c'était un combat au niveau des femmes? Non. Est-ce que c'était un combat au niveau d'argent? Non. Est-ce que c'était un combat au niveau de qui a la plus grande église, qui a l'église pleine et autres? Non. C'était un combat au niveau des dogmes, au niveau de la manière de faire. Si l'autre priait avec le talit, l'autre devait condamner ça. Vous savez de quoi je parle? Au niveau des dogmes. Et c'est le même problème qui tourne au sein du corps de Christ. C'est pourquoi ces deux figures évangéliques ne sont que deux messages que le Seigneur est en train de, ne sont qu'un message que le Seigneur est en train de faire passer. Dieu est en train de faire passer un message par la réconciliation du prophète Tatou et du pasteur Marcelo à tous les hommes de Dieu qui sont en conflit. Pas seulement aux hommes de Dieu, mais aussi aux fidèles qui rentrent dans la cadence des conflits des hommes de Dieu. Il y a des personnes ici qui, à Libreville, ne peuvent pas me saluer parce que leur pasteur me critique dans leurs églises. Il y a des personnes ici qui, à Libreville, si tu dis seulement, ok, allons chez le programme du prophète Nzoma. Tellement ton pasteur m'a lavé sur son pupitre là. Tellement ton pasteur t'a fait croire que moi je suis magicien. Moi je mange les gens. Je fais rentrer les grossesses dans les bandes des gens sans comprendre les contextes des choses et autres tout. C'est fini. Toi déjà tu as mis une idée dans ta tête que prophète Doma c'est quelqu'un de méchant. Lui là mon pasteur n'est pas d'accord avec lui. Et je ne peux, ce genre de pasteur, je ne peux pas suivre ce genre de pasteur là. C'est fini. C'est-à-dire que toi, tu as fondé le jugement sur quelqu'un à cause des émotions de ton pasteur sans te référer à la parole de Dieu. Tu fondes un jugement sur quelqu'un. Au lieu de t'attacher à la parole, de suivre la parole de Dieu, toi, tu fondes un jugement sur quelqu'un. Je dis, qui maintenant pour réparer les dommages collatéraux? C'est ça. Qui pour réparer les dommages collatéraux? C'est pourquoi vous, chrétiens, même quand vous voyez des hommes de Dieu en conflit, vous ne devez pas suivre les hommes de Dieu. Vous ne devez pas suivre. Suivez Dieu, attachez-vous à Jésus. Dans cette affaire, attachez-vous à Jésus. Dans cette affaire, attachez-vous à Jésus. Ton pasteur peut ne pas aimer un autre homme de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois rentrer dans la cadence de ton pasteur. Ton pasteur peut détester un homme de Dieu. Oui, parce que lui-même, il a son mauvais cœur et autres. Mais ça ne veut pas dire que toi, qui es chrétien, tu dois rentrer. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Est-ce que nous pouvons tapoter sur des cœurs? Est-ce que nous pouvons tapoter? Demain, lorsqu'il sera 19h30, je reviens sur Facebook avec ce message. Et je crois que nous serons... Nous serons nombreux à être connectés. Ce sera extraordinaire. Ce sera extraordinaire. Et l'église est remplie d'hypocrisie comme ça. On dit on prêche Jésus, mais on ne s'aime pas. On dit on prêche Jésus, on est en train de lapider les pieds aux gens. Toi qui t'inventes de connaître Dieu. Toi qui t'inventes d'avoir le monopole de la connaissance de Dieu là. Toi qui t'inventes là, qui es-tu? Quand on a écrit la Bible là, tu étais là? Ton père, ta mère, ton grand-père, tes aïeux étaient là? Toi qui t'inventes, la Bible déclare même la connaissance, nous la connaissons en partie. Mais vous allez voir des personnes qui se réclame, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance absolue. Ça dit que tout, c'est moi qui connais. Tu n'es pas prophète. Tu ne connais pas comment un prophète travaille. Mais comment toi, tu vas condamner une prophétie? Toi, tu n'es pas... Je ne sais pas là où toi, tu as... Quelle est ta relation avec Dieu? Dans quel couloir? Dans quel domaine Dieu t'appelle? Comment toi, tu vas condamner l'eau? Comment tu vas condamner briller avec le sel? Pourtant, ce sont des choses qui sont bibliques. Tu condamnes ça sur la base de quoi? Comment tu vas condamner un prophète sur la base des choses que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de t'expliquer? Si toi tu étais au temps de Jésus, ton pasteur aurait condamné Jésus lui-même. On vous parle de Jésus, un homme qui prend la boue et la salive, il les mélange ensemble, il pose sur les yeux d'un aveugle. Déjà quelque chose qui n'est pas hygiénique. Deux,
C'est-à-dire que si c'était au temps de Jésus, là, tu devais fouiller dans la loi. Il n'y a pas un verset dans la loi qui dit, pour guérir un aveugle, il faut prendre la boue et la salive et poser sur ses yeux. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que ton pasteur t'aurait dit? Vous voyez? Et c'est plus le cas des scribes et des pharisiens. Vous voyez? Ce sont des marabouts, comme je vous l'avais dit. Ce sont des sorciers, comme je vous l'avais dit. Ils prient déjà avec la tête. Ils prient avant de juger un homme de Dieu. Même si tu n'aimes pas un homme de Dieu, même si tu n'es pas d'accord, ne juge pas le travail qu'il fait. Parce que tu ne sais pas celui qui l'a appelé. Tu ne sais pas celui qui l'a appelé à faire ces choses. Celui qui l'a appelé à établir ces choses. Et l'une des choses que je me suis rendu ces derniers temps, hein, c'est que l'Église fait face à un problème de maturité. L'Église du Seigneur est immature. 2000 ans d'existence, mais 2000 ans émoraux. Chez nous ici, au Gabon, en Afrique, on appelle ça émoraux. C'est-à-dire les gens qui ont un problème de croissance. Nous avons 2000 ans d'âge, hein. Mais en 2000 ans d'âge, on est sur des choses qui n'ont pas de sens. 2000 ans d'âge, on est sur des choses qui n'ont pas de sens. Il y a une brebis qui est venue me voir l'autre fois, elle vient me voir en entretien. Mais je lui dis, ok, madame, l'Esprit de Dieu m'oriente et me conduit de prier avec l'huile d'olive. Vous devez prendre cette huile et vous devez aller mettre sur les linteaux des portes et des fenêtres de votre maison. La dame va se mettre à crier, non, non, mon pasteur a dit, on n'a plus besoin de ça. Ce sont des choses qui sont déjà passées et autres, tout, vraiment. J'ai dit, mais dommage, dommage. En 2000 ans, c'est-à-dire que même l'huile d'olive, on doute sur l'huile d'olive. Même l'huile d'olive, on doute sur les véracités. Hein? Les dogmes liés à l'huile, on doute sur ça. Mais chrétien, où voulez-vous qu'on vous amène? C'est pour cela qu'on n'est pas fort. Et plus on est immature, plus on est plongé dans l'immaturité, l'Église ne sera jamais forte. L'Église n'aura jamais de position forte. Car vous savez qu'on reconnaît un homme par ses positions claires. Et tant que l'Église ne sera pas mature, l'Église n'aura pas de position claire. On manipulera l'Église. L'Église sera bien aimée le jeu des damiers des politiciens. Là où les politiciens veulent vous amener, ils vont vous amener. L'Église qui est la colonne de la vérité de Dieu sur terre, cette Église sera divisée. Pourquoi? Parce qu'en elle-même, elle est divisée. En elle-même, elle refuse de grandir. Oh, je prie le Seigneur que Dieu amène l'Église à un niveau de croissance. Je prie le Seigneur que Dieu fasse grandir son Église. Je prie le Seigneur que le Seigneur amène son Église à une hauteur, à quelque chose de grand et de fort. Chrétiens, nous sommes chrétiens. Regardez dans nos églises, on ne s'aime pas. On ne s'aime. C'est pourquoi c'est difficile de voir les chrétiens réussir dans les églises. C'est pour cela que c'est difficile. C'est difficile et c'est difficile. De voir les chrétiens reçus dans les églises. On n'a pas, nous ne sommes pas la seule religion. Je vois souvent, ok, nous sommes cités des désordonniers, il y a du désordre et autres tout, mais je peux vous rassurer. Hein. Il y a même plus de désordre dans d'autres religions. Il y a même plus de désordre dans d'autres rites. Mais à la différence avec nous, c'est qu'eux, ils savent comment couvrir leurs choses. Ils partagent l'amour, ils ont l'amour. Ils savent se parler, ils savent s'asseoir. Mais nous, chrétiens, ton frère a un problème, ton frère a un scandale, c'est même le pasteur qui va s'élever, le pasteur qui prêche l'amour, qui va s'élever pour dire, fais tout pour salir lui-là. Moi, je parle clairement et je le dis, c'est sans tabou. Moi, prophète Emmanuel que je suis, moi-même, je l'ai vu. Je suis allé en prison. Même si les gens estimaient que ce que j'avais fait est vrai, du moment où j'ai prêché Jésus-Christ dans ma vie, c'est-à-dire le premier réflexe de l'Église, c'est d'abord de défendre un soldat qui est en danger. Ce n'est pas de l'exposer. Vous savez, l'une des choses qui m'a marqué dans mes temps d'épreuve, c'est quand j'ai vu que j'étais bien aimé dans le Seigneur, soutenu. J'étais soutenu par les chrétiens, je ne refuse pas. Mais ceux qui étaient plus proches de moi, très proches de moi, ceux-mêmes qui me réconfortaient, ce n'est pas rien. Oui, je vous dis la vérité. Ceux qui me manifestaient encore plus d'amour, ce n'est pas rien. Je me rappelle un jour, je crois que j'étais à mon troisième mois de détention, et je vais recevoir un imam qui est venu me voir à la prison centrale. Cet imam est venu me voir, il dit, moi je suis imam, mais je crois que tu es serviteur de Dieu. Pourquoi je crois que tu es serviteur de Dieu? Parce que voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, et je suis venu te soutenir. Cet imam-là avait quelques billets avec lui. Il a dit, vraiment, s'il te plaît, ne refuse. J'étais très gêné, je ne voulais pas. Ne refuse pas ces billets, prends-les. J'ai dit, non, la réglementation ici exige qu'un certain montant ne doit pas rentrer au milieu carcéral et autres tout. Donc, dépose-les avec des agents à chaque fois que j'aurai besoin. Je vais prendre. J'ai été marqué.
J'ai dit, bon, peut-être ce que j'attendais de mes frères chrétiens. C'est ce que je vois de mes frères musulmans. Et je vous dis, bien aimé, c'est quelque chose que nous devons beaucoup travailler. Ce problème d'amour. Les chrétiens sont hypocrites entre eux. Les chrétiens ne s'aiment pas. Les chrétiens sont remplis de jalousie, sont remplis de méchanceté et autres. Bien aimé, écoute, je vais choquer quelqu'un ce soir. La chrétiennité, là, n'est pas fondée sur tes efforts de sainteté. Non. 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 La loi nous amenait à croire qu'on était sauvés en fonction des efforts qu'on fournissait. Même dans l'Ancien Testament, il y avait il fallait s'abstenir des mauvaises choses. Il fallait vivre la sanctification. Mais malgré ça, ils étaient condamnés. C'est pour cela que Dieu a envoyé un homme pour les laver. La loi les condamnait. Parce que la loi, c'est la loi. C'est-à-dire, il y a 10 commandements. Qui pouvait respecter les 10 commandements? Personne n'est respecté les 10 commandements. Donc, même si tu avais respecté 9 commandements au détriment d'un seul que tu n'avais pas respecté, tu étais condamnable. La loi t'est condamnée. Et bien que tous, il y a tous qui veulent la sanctification, mais il y avait toujours quelque chose qui devait les condamner et autres. C'est pour cela que Dieu va envoyer un homme pour rendre la loi parfaite. Cet homme, c'est qui? C'est Jésus. C'est pourquoi on vous dit que Jésus est un homme saint. Il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Jésus va venir pour rendre la loi parfaite. Pour montrer à la loi que je suis capable de te défier. Je suis capable d'être le seul homme capable de respecter ces 10 commandements sans péché et autre tout. Pour cela, on dit premièrement, Jésus vient par une vierge pour montrer déjà l'état de sainteté. Et Jésus grandit dans une civilisation, bien aimée, qui lui est favorable à l'évangile, à une bonne éducation. Donc Jésus ne connaît pas l'iniquité, Jésus ne connaît pas le péché et le mal. Donc c'est le seul être humain qui meurt, c'est. Et c'est par lui maintenant que nous parvenons au salut. C'est pour cela que Paul parle de la grâce. Paul parle de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et non par nos œuvres. Toi, tu es là, tu te crois le pasteur le plus saint. Parce qu'on n'a pas encore cité ton nom sur Facebook. Toi, tu te crois le pasteur irréprochable. Parce qu'on n'a jamais dit que toi, si on fouille ta vie là, hein, les crânes des gens peut-être qui sont même derrière ta chambre là, les crânes là, les crânes des mamies là, des papis là qui sont cachés là. Peut-être on va découvrir des cercueils et autres tout. Tu penses que ce que tu es là, c'est à cause de tes efforts? Non, c'est à cause de la grâce de Dieu. Car il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Et sa miséricorde durera toujours. Car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Laissez-moi vous dire. Oh, Abraham n'était pas l'homme le plus saint de son temps. Mais Dieu a dit ceci à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. C'est à cause de quoi? À cause de la grâce. Noé n'était pas l'homme le plus saint de son temps. Mais à cause de la grâce, la Bible déclare que Noé va être épargné, lui et sa famille, pendant que toutes les familles de la terre vont être entraînées dans le déluge. C'est à cause de quoi? À cause de la grâce. Moïse n'était pas bien aimé dans le Seigneur, l'homme le plus saint. Ou encore le plus loin de la nation Israël. D'ailleurs, il avait grandi dans la maison de Potiphar, là où on pratiquait la magie, on pratiquait la franc-maçonnerie et autres, jusqu'au 33e degré. Mais la Bible déclare que Moïse va être choisi par Dieu, pas à cause de ses efforts de sainteté, parce que Moïse n'était pas saint. Moïse avait plusieurs familles, il était païen, mais à cause de la grâce. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, je ne dis pas que la grâce encourage le péché. La Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous qui pensez que vous êtes sauvés là parce que, voilà, je m'abstiens, ça fait 2 mois, je ne connais plus les hommes, ceci, cela, et que tu penses que Jésus, à cause de ça, là, Jésus est descendu dans ta maison et autre tout. Même Jésus l'a montré. Pendant que vous condamnez les prostituées, Jésus part, il s'assoit chez les prostituées, il mange avec les prostituées. Connaissez-vous Dieu? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Même Marie que vous voyez, Marie n'était pas la seule vierge à 100 ans. Mais pourquoi c'est juste Marie qui a eu l'enfant Jésus? C'est à cause de la grâce. Tout ce qui t'arrive, c'est la grâce. Tout ce que tu as, c'est la grâce. C'est pas forcément, je t'encourage à demeurer dans la sanctification, je t'encourage à demeurer dans l'abstinence. Bien-aimé, mais ne te sers pas de ça comme étant, bien-aimé, quelque chose que tu dois prendre pour juger les gens. Ne te sers pas de ça pour penser, bien aimé, que toi où tu es là, parce que tu vis ça, tu auras ça. Tu peux vivre toutes ces choses-là sans obtenir ce que toi tu veux. Sans comprendre ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut réaliser avec toi. Nous sommes sauvés par grâce. Tout ce qui nous arrive, c'est la grâce.
Je connais des personnes qui vivent la sanctification à mourir. Qui présentement, pendant que moi, pécheur, je suis en train de vous parler, je suis en train de respirer, je suis en train de bien manger, je suis bien aimé debout. Il y a ces personnes-là qui vivent la sanctification, qui sont plus intègres que moi, qui sont plus saintes que moi, qui sont sous assistance respiratoire, qui n'ont pas péché, qui n'ont rien fait. Un bon matin comme ça, elle s'est levée, ABC. Vous allez me dire, vous pensez que c'est à cause de la sanctification? Vous pensez que c'est à cause, bien aimé, de ce que vos pasteurs vous disent, non, nous sommes l'église la plus sainte. Nous sommes l'église la plus bénie et autre. Vous pensez que c'est à cause de ça? Non, c'est la grâce. Lorsque tu regardes ta vie, tu vas réaliser que ce qui m'arrive, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas mérité ça, c'est la grâce de Dieu. Si ce n'était que moi, je ne serais pas là. Si ce n'était que moi, je ne serais pas là. Mais c'est la grâce de Dieu. Oh, écris en commentaire avec moi, en tapotant ton écran. Écris en commentaire avec moi, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Je vois ici Sandrine Joy, la grâce de Dieu. Écris en commentaire avec moi, la grâce de Dieu, 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 la grâce de Dieu. Waouh, la grâce de Dieu. Au-delà de l'obéissance que tu as envers Dieu, au-delà du respect des Écritures que tu as envers Dieu, tu dois comprendre que tout est grâce. Au-delà de ça, tu dois chercher la grâce de Dieu. Seigneur, oui, je suis saint. Seigneur, oui, je m'abstiens de ça, mais fais-moi grâce. Parce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, à cause de leurs efforts personnels, ils se privent, ils se font. Ils sont rentrés dans un esprit d'orgueil. De penser qu'automatiquement, parce qu'elle se prive, automatiquement, parce qu'elle vit la sanctification, que telle chose doit arriver. Et vous allez remarquer que ça ne vient pas. On connaît nos sœurs comme ça en Christ. Depuis 10, j'ai vu une maman. Hey, c'est pas possible. J'ai vu une maman. La maman est venue. Elle montrait les épaules comme ça. Prophète, moi, je suis loin de Dieu. Hein? Je suis loin de Dieu. Vous me voyez, je suis loin de Dieu, vous savez. Moi, ça fait plus de 20 ans d'abstinence. Hein? Je n'ai plus touché un homme. Parce que le Seigneur m'a interdit, j'ai posé la question à la maman. Maman, tu as quel âge? Ah, prophète, j'ai plus de... Elle m'a parlé de quel âge là, quelque chose comme ça. J'ai... Elle m'a parlé de... entre 64 ans. Voilà, elle était dans la soixantaine. Prophète, je suis dans la soixantaine et autre tout. J'ai dit, maman, tu vis la sanctification là, pourquoi? Parce que le Seigneur t'a demandé de te priver des hommes pour le servir et autres tout. Où tu vis la sanctification, pourquoi? Elle dit, prophète, j'ai vu la sanctification pour attendre l'homme de ma vie. J'ai dit, tu attends l'homme de ta vie là, à quel âge? 67 ans. Tu dis sanctification depuis 20 ans. Donc depuis 20 ans là, peut-être Dieu t'aurait envoyé ton mari et autres tout. Mais parce que tu es rentré dans un esprit d'orgueil de te dire que parce que tu vis la sanctification, automatiquement la sanctification va aller déplacer ton mari et l'amener vers toi. Voilà, 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 voilà. Et j'ai posé la question. Là, on me disait, mais oui, prophète, c'est vrai. Et j'ai remarqué que quand un homme s'approche vers moi, je le chassais, j'ai chassé l'homme. Je ne voulais pas sentir l'homme parce que je pensais automatiquement que l'homme là était un démon. Je dis, vous voyez, on doit sortir de là, chrétien. Je vais conclure ce message en vous disant une chose. Parce que je crois que demain, je serai là à partir de 19h. Et je vais parler sur le thème 5 erreurs à ne jamais commettre sur un oint de Dieu. 5 erreurs à ne jamais commettre. Hey, 5 erreurs à ne jamais commettre sur un oint de Dieu. 5 erreurs. 1. Ne jugez pas l'homme de Dieu en fonction du message que votre pasteur prêche à l'autel sur lui. Tout pasteur qui prêche contre un homme de Dieu sur son pupitre, lui-là, il n'a plus de message. Et celui qui n'a pas de message fait deux choses. Il prêche le message des autres et il prêche contre les autres. Tu vas gagner quoi en prenant 30 minutes à te mettre sur un pupitre de parler. Bon, moi, je prends mon cas, hein, parler d'Emmanuel Nzoma. Oh, Emmanuel Nzoma! C'est si vrai. Tu estimes qu'Emmanuel Nzoma est pécheur. Prends, selon la Bible, la parole de Dieu, va chez ton frère. Parle avec ton frère. Dis ceci à ton frère. Frère, voici, 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 voici. Qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, je vais recevoir quelqu'un et je vais taire son nom. C'était en province, la personne en province. La personne venait me dire, ok, la personne avait prêché contre moi sur son pupitre à l'église. Il prêchait, 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 prêchait. C'était une personne un peu, il pouvait avoir 48 ou 50 ans là-bas.
Il a prêché contre moi parce qu'il ne comprenait pas en fait comment moi je faisais dans les prophéties. Quand je prophétisais, je révélais soit les numéros des gens ou les actes de naissance et autres. Et il n'avait pas compris cela. Et il avait aussi critiqué un miracle que Jésus avait fait. Et je prends un témoin ici, l'évangéliste Rien du Para, la famille de l'évangéliste Rien du Para. J'avais prié pour un enfant à Franceville qui n'avait pas, qui était né avec quelque chose comme deux sexes comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous pouvez m'aider. Oh, je ne vois plus de commentaires. Ce n'est pas possible. Qui était né avec deux sexes. Et là, je vais prier pour l'enfant. Quand je vais prier, donc le sexe masculin va sortir et l'autre sexe va se refermer de manière authentique sur place. Et je crois que les vidéos sont même sur mon compte. Emmanuel Nzoma, c'était authentique. Un enfant qui était né avec deux sexes. Je prends ici à témoin le pasteur Pissam, l'évangéliste Ridge Para, et voilà, toutes les personnes qui peuvent se rappeler de ça. Donc, j'ai prié. Bien aimé, le sexe a réapparu. Et c'était étrange. Ils ont dit, vous voyez ce genre de choses-là, c'est la magie, c'est le vaudou, ce sont des sorciers. Mais je suis là, je disais, mon Dieu, lui là, il parle de quoi? Pas pour me justifier. La magie, je ne connais pas la magie. Je n'ai jamais touché à la magie comme ça. Allez-y sur mes anciennes vidéos, je me suis attaqué aux magiciens dans ce pays. Je me suis attaqué aux faux dans ce pays. Et personne ne soutient le faux. Je fais partie de l'un des prophètes ouvertement à s'attaquer au faux. Quand c'est faux, là, je me lève, je parle, je dis que ça, c'est faux. Parce qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire qu'il ne comprenait pas. Il s'est mis à juger. Et il est venu me voir. Et quand il vient me voir, il me dit, non, tu sais, tu es jeune dans ces choses, il faut faire attention et autre tout. Déjà, je lui ai arrêté. Je l'ai arrêté, excusez-moi. J'ai dit, vous, il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. Parce que vous, dans la francophonie, vous avez tendance à piétiner les autres en fonction de ces affaires-là. Non, toi, tu es jeune, moi, je suis vieux et autre tout. Toi, même si tu as la barbe, tu as 49 ans là. Toi, tu as commencé ton assemblée, c'est peut-être en 2017. Moi, je commence l'assemblée, t'as dit peut-être 7 ans avant toi, plus jeune que toi. Donc, même si tu as la barbe, tu es vieux, tu dois me respecter. Parce que j'ai plus des âges dans l'affaire-là que toi. Donc, ne viens pas déjà avec ton affaire de dire parce que je suis grand... J'ai 49 ans, tu as 50 ans. Ton expérience d'âge n'a rien à voir avec l'expérience spirituelle. Et voici le problème dans la francophonie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup avec qui, bien aimé, je ne peux pas m'entendre. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est grand en âge que tu vas chercher à dominer le manteau spirituel que j'ai reçu sur ma vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Un jour, je suis allé dans une réunion. On a invité une réunion, on a convié les hommes de Dieu. Non, on va créer quelque chose, une plateforme en tant que... La première condition que j'ai posée, c'est qu'ici, on est frères. Il n'y a pas des histoires que tel va venir chercher à mentoriser les autres. Tel va venir chercher à dominer les autres. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ce sont des principes qui sont clairs. Chaque homme de Dieu a une grâce, a reçu une grâce avec Dieu. Un homme de Dieu qui s'est bâti seul en 20 ans, 19 ans de ministère, ce n'est pas toi qui vas venir à la dernière minute réclamer la paternité. Ça ne marche pas comme ça. Moi, dans mes principes ministériels, je suis clair sur ça, ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas le genre qui cherche les pères populaires ou qui cherche ceci. Moi, j'aime père, je reste clair avec mon... Non, la plateforme était comme ça. J'ai dit, c'est la première condition que je pose. Si ce n'est pas ça, là, les amis, j'enlève mon corps, je pars. C'est tout. Donc, bien aimé, donc le monsieur, il a parlé avec moi. J'ai dit, donc, tu arrêtes ça. Donc, il ne faut pas d'abord parler, non, que tu es grand spirituellement, ceci, cela. Tu es grand spirituellement et tu juges quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Tu es grand spirituellement et tu condamnes une action du Saint-Esprit et autre tout. Il t'a dit, donc, c'est passé en queue de poisson les autres. Et il m'est chargé dans son église. En 2021, la première fille de ce pasteur-là tombe gravement malade. Ici à Libreville, hospitalisée à Kembo de partout, la santé s'est détériorée. Et quand on a déclaré le VIH, la tuberculose, vous savez que quand on déclare le VIH et la tuberculose, en même temps, c'est très dangereux. La fille du pasteur va venir me rencontrer. Je ne sais même pas où elle est, si elle est en France ou elle est toujours ici. Je ne sais même pas. Elle va venir me rencontrer. Et quand elle va venir me rencontrer, à l'insu de son père, je vais prier pour elle. Quand je vais prier pour elle, je vais prendre l'eau, les choses que son père condamnait.
Son père. Non, les pasteurs qui prient avec l'eau là, il ne faut pas les suivre. Les pasteurs qui prient avec l'eau ne sont pas des vrais pasteurs et autres. Ne jugeons pas des choses que nous ne connaissons pas. Des choses dont nous n'avons pas eu des révélations. Dieu se révèle à chacun d'une manière différente. On n'est pas appelé à travailler de la même manière. Sinon, Dieu n'est plus une diversité. C'est-à-dire que si on travaille tous de la même manière, c'est-à-dire ça va être comme une équation, comme une opération qu'on connaît, 1 plus 1 est égal à 2. Non, on ne peut pas avoir des réponses à qui est Dieu. On ne peut pas avoir des réponses à comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Aucune chose pour faire qu'on sorte que Dieu se manifeste. Ça, là, non, moi, je ne connais pas. Donc, bien aimé, j'ai prié pour l'eau. Dieu est une diversité. Mais si on veut commencer à fabriquer Dieu, on veut commencer à limiter Dieu et autres, tout, donc tous les pasteurs doivent juste imposer les mains. Pourquoi voulez-vous que prophète Emmanuel Nzoma travaille comme ton pasteur? Pourquoi tu veux que je travaille comme ton pasteur? Pourquoi tu veux que je prêche comme ton pasteur? Pourquoi tu veux que ton pasteur fasse comme moi? Pourquoi tu veux que ton pasteur fasse comme tel pasteur? Dieu est une diversité. Dieu agit avec chacun. Ce qui compte là-haut, c'est que dans tout ce que nous faisons là, c'est le nom de Jésus qui est devant, c'est que nous respectons la mission principale qui est l'évangélisation, sauver des âmes par Jésus-Christ de Nazareth. Et sa fille est venue me voir. J'ai prié avec des lots, j'ai déclaré au nom de Jésus que la guérison soit ton partage. Elle a pris de l'eau, elle a bu. Lorsqu'elle prend de l'eau, elle va à l'hôpital. On déclare que la tuberculose a disparu, mais il reste le VIH. Premier témoignage, elle vient me voir. J'ai prié encore pour elle, parce que le Seigneur m'avait dit qu'elle devait être guérie. Pendant que j'ai prié, je ne savais même pas que c'était la fille du pasteur. J'ai prié pour elle. Bien-aimée, après 3 mois, elle retourne faire des examens. Le VIH-SIDA a disparu complètement de son corps. Complètement, totalement de son corps. Elle va venir faire le témoignage. Son caméra va dire, non, je suis la fille d'un homme de Dieu. J'entends l'homme de Dieu à la fin de que je me rapproche. Je dis, c'est l'homme de Dieu qui a un mandat comme ci, comme ci, comme ça. Oui, c'est mon papa. Où je n'étais pas le présentement, même il est malade. C'est. J'ai dit, mais voilà. J'ai dit, prends l'eau, va donner à ton papa. Elle a pris l'eau. Non seulement elle a été guérie par l'eau, elle a pris l'eau, elle allait donner à son papa. Son papa a été guéri. Quelle est la leçon à retenir dedans? Il ne faut pas juger ce que tu ne connais pas. Ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Ne dis pas, oh non, là-bas c'est comme ça. Tu ne connais pas, reste tranquille. Limite-toi à ce que Dieu t'a donné, le mandat que Dieu t'a donné. Que Dieu vous bénisse par ce message. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus, je te bénis et je te donne toute la gloire et l'honneur pour toutes ces familles qui ont pris part à ce live, toutes les personnes qui sont tombées sur ce direct. Ainsi, je prie le Père, pendant que vous êtes en train de laisser vos commentaires, les ravara soubla et devea. Kalaba souble keveya. Kebro, keblava, keblava, keblava. Keblava sible daïs. Keblava sible vaï. Keblava. Oh, j'ai à cœur de vous le dire. Je veux voir des commentaires. Qui a été béni par ce message? Laisse un témoignage en commentaire. Si tu as été béni par ce message, laisse un témoignage en commentaire. Demain, 19h, je serai là. Et je sais que le Seigneur bénira plusieurs personnes. Le Seigneur bénira des familles. Le Seigneur bénira son église. Le Seigneur va aiguiser la connaissance de plusieurs personnes. La mama souple baya. Le baya la bas souple. Le ba la bas. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Ne juge pas ce que tu ne connais pas. Ne juge pas ce que Dieu ne t'a pas demandé de juger. Avant de juger, il faut aller prier, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois juger cette chose? Quel est le message que tu me fais passer par cette chose? Seigneur, est-ce que tu dois demander la vie de Dieu? Tu dois demander la provision? Tu dois demander au Seigneur de te parler véritablement? Avant de juger ton pasteur, tu ne connais pas. Demande au Seigneur. Avant de juger le pasteur de l'autre, demande au Seigneur. Le Seigneur te montrera. Un jour, bien-aimé, demain je viendrai et je parlerai beaucoup des mystères. Tu ne connais pas un prophète? Comment le prophète travaille? Et toi, tu vas juger si tu vois un prophète faire des libations? Je vois même des personnes qui condamnent les écoles des prophètes. Ce n'est pas possible. Une école des prophètes, tu condamnes. L'école des prophètes n'existe pas.
Lorsque vous regardez dans la Bible, il existe ce qu'on appelle des garnisons des prophètes. Les garnisons n'est qu'une traduction juive. Si on ramène ça à nos temps, ce qui veut dire c'est une organisation des prophètes, là où les prophètes s'assemblaient pour apprendre et se partager des connaissances. C'est ça l'école, c'est ce qu'on appelle école des prophètes, c'est partager des connaissances. Chacun partage sa connaissance à l'autre et ça peut édifier l'autre à pouvoir, bien aimé, augmenter dans son ministère, augmenter. Mais vous allez voir des personnes, le ministère prophétique n'existe pas pour certains, les écoles des prophètes n'existent pas pour certains, ils ont besoin d'ouvrir les Bibles, de laver le cerveau et de bien lire la parole de Dieu pour comprendre. Donc, ne vous découragez pas sur ce à quoi Dieu vous a connecté. Ne vous découragez pas dans vos ministères. Si vous êtes convaincu que Dieu vous a appelé dans ce ministère, dans cette tâche, foncez. Ne vous arrêtez pas parce que vous êtes contredit. Foncez. Si, je dis bien si vous êtes convaincu et que c'est à la lumière des Écritures, foncez. J'aimerais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu grand, fort et puissant qui n'a pas changé, je te prie, Seigneur, de bien vouloir toucher mes frères et mes sœurs qui me suivent de partout dans le monde entier qui sont connectés ici. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissante main soit leur partage et que ta puissante main les touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Que la connaissance te soit accordée. Là où ton âme périssait, là où ta foi périssait, là où tes affaires périssaient, que par cette connaissance qui a été révélée aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Haya Broso Kabe, Kelenevos, Kelenenego Varas, Iklaba, Ikaparaso Televaras, Rekeneme Levaya. Je vois une personne ici qui me suit, tu t'appelles Annette. J'ai vu Annette ici, un nom qui a défilé au nom de Annette. Alors Annette, pendant que je parle avec toi, je t'ai vu tout récemment, il y a de cela près de 3 semaines en arrière, je t'ai vu comme revenir d'un voyage. Je t'ai vu sur la route, tu partais et tu revenais d'un voyage. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je vois quelqu'un à côté de toi, je vous vois très liés, mais on me parle d'un procureur. On me parle d'un procureur qui n'est pas ici. Ce procureur-là, il est comme délocalisé dans l'une des provinces du Gabon. Je vois à côté d'une dame au nom de Annette ici un procureur. Et je vois que ce procureur-là, il est délocalisé dans l'une des provinces du Gabon. Pendant que je suis en train de parler avec toi, madame Annette, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer qu'il y aura un grand basculement. Il y aura un grand basculement dans la vie de cet homme. Aïe. Je ne sais pas à qui je parle. J'ai dit, il y aura un grand basculement dans la vie de cet homme. J'ai vu le Seigneur comme faire monter cet homme-là sur le plan gouvernemental. J'ai vu la main, la puissance et la faveur de Dieu qui tombait sur cet homme, là où cet homme était longtemps retardé, où cet homme était longtemps en arrière. J'ai vu le Seigneur favoriser et pousser cet homme. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, je suis en train de voir dans mon esprit comme l'indication d'une flèche, mais qui me ramène depuis Port-Gentil. Et où je suis à Port-Gentil, l'Esprit du Seigneur est en train de me montrer un homme. Je vois un homme habillé en tenue de magistrat. On me parle d'un haut magistrat. Et je vois cet homme, dans peu de temps, il sera favorisé. Je vois cet homme très lié à toi. D'ailleurs, vous avez le même sang. Il est très lié à toi. Parce que tu as pris part à ce live, que la grâce de Dieu soit le partage de cet homme. Que la puissante main de Dieu tombe sur cet homme. Que la main de Dieu soit son partage. Je vois ici une dame au nom de la fille de Dieu. Pendant que tu me suis, est-ce que madame Annette confirme ce message? Pendant que tu me suis, je vais terminer rapidement. Je vois le Seigneur te faire grâce dans peu de temps sur l'aspect professionnel. J'ai vu plusieurs dossiers et j'ai vu des dossiers posés au niveau de la fonction publique. Tu t'es mis à genoux et tu es en train de pleurer. Seigneur, j'ai besoin d'un emploi stable. J'ai besoin de me positionner. J'ai besoin d'avoir une stabilité professionnelle, une stabilité dans le domaine des finances et autres. Et je vois, il y a de cela un temps en arrière, j'ai vu un homme politique à côté de toi, mais je te vois, tu as assuré le secrétariat de cet homme politique. J'aimerais taire son nom. Je vois un homme politique à côté de toi, mais tu as assuré derrière cet homme-là.
Aïe, aïe, aïe. Merci, Seigneur. Tu as assuré son secrétariat. Pendant que je parle avec toi, le Seigneur te favorise et te fait du bien. Si ce que le prophète annonce comme message est vrai, confirmez le message. Si c'est faux, vous avez aussi le droit de dire que vous ne vous reconnaissez pas. Je vois ici une personne qui me suit au nom de Huguette. Pendant que je vois cette Huguette, je n'ai pas bien vu le nom, les commentaires ont défilé très rapidement. Je vois présentement là où tu es, il y a un monsieur. Il y a un monsieur qui est allongé sur un lit. Et d'ailleurs, je suis en train de voir sur ce monsieur-là, il y a comme le symbole d'une culotte. Et je vois quelqu'un qui enlève comme le par-dessous et il a une culotte. Et je suis en train de voir que ce monsieur-là, de manière professionnelle, il travaille dans l'armée. Je vois une personne qui travaille dans l'armée. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, cet homme avait une promotion qui devait arriver, mais elle n'est pas arrivée. Et ça fait partie de vos prières depuis un temps. Il a une promotion qui devait arriver, mais elle n'est pas arrivée. Ça fait partie de vos prières. Pendant que je suis en train de parler avec vous ici, la Huguette, j'ai vu le commentaire, les commentaires marchent, défilent un peu très rapidement. Je vois le Seigneur faire du bien et favoriser cette personne, ramener cette personne, établir cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors je prie le Père, Dieu Tout-Puissant, lui qui exauce ses serviteurs, le maître des temps et des circonstances, de pouvoir favoriser l'homme avec qui tu es. Je vois un militaire et je suis en train de voir dans mon esprit que cet homme sera favorisé en galant dans peu de temps. Une grande promotion arrive sur lui. Le Seigneur a décidé de l'amener plus loin. Le Seigneur a décidé de... Merci Seigneur, de le faire basculer dans les hauteurs. Et tu verras cela avec tes yeux. Rien ne pourra stopper le plan de Dieu. Rien ne pourra arrêter le plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je relâche la guérison dans la vie de quelqu'un qui est malade. Je prie au nom de Jésus là pour la restauration. Dans la vie d'un homme, d'une femme qui fait face à des difficultés, qui a un problème, peu importe lequel, que l'Éternel des armées, nos Dieux Tout-Puissants, Jésus-Christ de Nazareth que je sers, puisse te toucher et te faire du bien. Que Dieu se souvienne d'une personne qui a besoin du travail ici. Une personne qui a besoin de restauration. Une personne qui a besoin d'un toucher particulier quelque part dans un domaine de sa vie. Que cela te soit accordé par le nom du Père, par le nom du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi j'ai prié, j'ai dit Amen. Waouh, waouh, waouh. Nous avons signé en Afrique du Sud. Ouh, je crois que c'est mes deux fils footballeurs. Oui, mes deux fils footballeurs pour qui j'ai prophétisé à l'église. Je crois qu'il s'agit d'eux. Que Dieu vous bénisse. Il est tard. Demain, lorsqu'il sera 19h, soyez munis d'une bouteille d'eau. On va prier. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des signes, des miracles et des prodiges sera au rendez-vous pour agir et faire des choses extraordinaires. Et n'oubliez pas que ce vendredi à partir de 17h, nous avons notre très grand culte extraordinaire. Et nous allons prêcher sur un thème très important, sur la libération des familles au niveau de l'église synagogue du Gabon. Mais demain, lorsqu'il sera 19h, je serai là très tôt. Alors, les personnes pour qui j'ai prophétisé, vous êtes priés d'écrire sur le numéro 077-05-01-30 à la fin. Laissez votre message sur ce numéro et je prendrai la peine de vous répondre. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. On se dit demain, 19h30 heure du Gabon, 20h30 heure de la France. Vraiment, demain. Oui. Demain, là, je dois me battre à être un peu plus tôt afin de connecter le plus grand nombre de personnes à ce live. Merci pour les centaines de personnes qui étaient connectées. Que Dieu vous bénisse. Partagez après la fin de ce live. Partagez le live afin de le rendre visible, parce que ma page a été restreinte à un nombre de personnes. Mais plus il y a interaction, plus les personnes partagent, plus les personnes montrent que ce live est d'une bonne portée et autre tout. Voilà, ça permet à Facebook d'enlever les restrictions sur la page. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous de passer une très belle nuit et ne cessez de prier dans vos maisons pour la réconciliation du corps de Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. C'est fait.